tu lui as brisé le cœur, je suis sûre. Je pense en plus, c'est ça. Je savais. Elle est tombée amoureuse d'un bad boy, c'est pas ma faute. Moi, c'est Kavena Gomos, a.k.a. le dauphin, et je suis du coup poète. Oh, je m'appelle Julie, j'ai 19 ans et je fais des études à l'ULB. Salut tout le monde, moi c'est Malaika, j'ai 25 ans, je fais des tutos culinaires sur ma page Instagram. Bah, moi c'est Chemseddine, je fais de la musique, de la danse. Vous vous likez mutuellement sur Insta, mais il ne vient jamais te parler. Tu fais quoi? Moi, généralement, je like si elle relike. Et que je like encore et qu'elle like encore, là, cette fois-ci, je vais follow. En fait, moi, déjà, ça dépend si elle me suit ou si elle me suit pas. Parce que si tu me suis pas, je trouve ça déjà un peu bizarre. Ça veut dire que tout le temps, tu viens, tu tapes « I am Malaika » et tu viens voir mes trucs, tu vois. Bon, allez, si elle réagit tout le temps des feux et tout, à un moment, je vais lui dire « gars, toujours des feux, mais quoi? Présente-toi, qui es-tu, etc. » Tu vois, on va pas faire que s'envoyer des feux. Ça, c'est une bonne technique aussi d'aller réagir aux stories bah oui, à la c'est une. La base des bases. Oh. C'est la technique pour ceux qui ne savent pas quoi dire. Bah oui, généralement, on fait le jeu du like, tac, 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 tac. Puis ça follow et puis elle follow aussi. Mais là, il y a problème. Comment je vais l'aborder? Parce que j'ai pas envie de taper un salut, salut, ça va et toi? Bien, tu fais quoi? Rien. Et toi? Rien. Fin de discussion. Non. Alors qu'on peut démarrer sur quelque chose qu'elle aime bien. Tu vois, par exemple, je sais pas, elle a fait dans la story à la une, elle est partie à Chypre. Toi aussi, t'es allée à Chypre. Tu sais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Poc, tu réponds, oh, je reconnais cet endroit. T'es là, oh, t'as fait quoi? Oh, oh. Et là, t'entames une conversation directe et ça glisse. Je fais comme Monsieur Nov, il avait dit dans un de ses sons. Je passe dans son Instagram, je like 2-3 photos. En commentaire, j'ai mis des flammes en espérant qu'elle me follow. Elle te drague pour du sérieux. Toi, tu veux juste t'amuser. Tu fais quoi? Moi, j'ai eu ma période de la débauche et moi, je disais simplement la vérité hein, aux filles que je rencontrais. Ouais, voilà, tu m'intéresses, mais moi, je veux rien de sérieux, je veux rien construire. Je suis juste là. Et puis, si elle veut continuer dans mon optique à moi, quelque chose de pas sérieux, elle continue. Et si elle veut pas, ouais, si elle veut pas continuer, ben voilà. Je suis quelqu'un, j'aime bien que les choses soient claires, les relations, parce que si c'est pas clair, il y a toujours un truc de malsain là-dedans. Dans le 1, dans le processus de drague, vient le moment où tu dis tes intentions. Et donc, moi, je me dois d'être directe et je vais poser la question à la personne. Toi, t'attends quoi? Et c'est ce que j'attends d'un homme, en fait. Moi, si tu veux t'amuser avec moi, c'est vrai, ça pique, hein. Ça pique quand quelqu'un te dit juste « Ouais, t'es sympa, mais voilà, moi, je veux juste... hein? Je veux juste... je peux pas... » Ben, je veux juste baiser. Ça pique un peu, mais d'un côté, je vais me dire « Ok, d'accord, au moins, il a été honnête avec moi, tu vois. » Moi, je fuis, hein. Genre, s'il insiste vraiment, je suis en mode. Ah, mais on est amis en fait, enfin. Ah ouais. Je te vois comme mon frère. Je pense... Non, ça, je l'ai jamais. Ah. Jamais sorti. C'est bien. Ah. Moi, généralement, je suis carré dans ce que je veux, dans ce que je cherche. Si je veux pas quelque chose de sérieux, je veux pas quelque chose de sérieux. Et elle pourra rester avec moi autant de temps qu'elle veut pour essayer de me faire changer. Rien du tout. Mais toi, ça te dérangerait pas de faire genre des bails avec elle alors que tu sais que de son côté, bah, elle veut plus? Ça te dérange pas? Moi, ça me dérangerait pas parce que moi, j'ai dit ce que je voulais, tu vois. Elle veut te suivre, mais il y a toujours, tu sais. Pas mon problème. C'est à elle-même de... C'est un peu égoïste. Je vois. Ouais, c'est vrai. C'est un peu égoïste en vrai. C'est égoïste. Mais écoute, bah, je dis ça, mais... Elle aussi, elle peut être égoïste parce que moi, je suis là, moi, je veux une chose et elle, elle veut autre chose de moi. Et c'est pas comme si moi je la retenais, tu vois, c'est ça le délire aussi. Ça t'est déjà arrivé genre vraiment qu'une fille elle veuille du sérieux avec toi, mais toi non? Ouais, c'est déjà arrivé. Et ça s'est fini bien? Bah ça va, calme, on est potes, on est potes. On est potes, ouais. Ouais. Tu lui as brisé le cœur, je suis sûre. Je pense en plus, c'est ça. Ouais. Je savais. Elle est tombée amoureuse d'un bad boy, c'est pas ma faute. L'ex-plan de ton pote te match sur Tinder, tu fais quoi? Tout dépend de la situation, mais je pars du principe que personne appartient à personne, tu vois. S'ils ont rien construit ensemble, ouais. S'ils ont commencé à construire, non. J'envoie un message à mon pote, je dis « Gros, tu vois elle, elle m'a matché sur Tinder, c'est comment ?» Et s'il me dit « Oh gros, vas-y, je fais ce qui t'es bon. » Par pur ego, tu sais, il peut dire hein, « Non, laisse tomber, elle aime-y, etc. » Je peux me dire « Ah, peut-être il ment parce qu'il m'avait pas dit ça. » Mais bon, s'il veut pas, il veut pas, tant pis, hein. J'annule le match. Hein. Non, c'est vraiment le fait d'avoir couché ensemble, le problème, de me dire qu'il a mis son truc dans la... de ma copine.
C'est assez tendu quand même. Je me dis, il y a tellement de poissons dans l'océan, il y a tellement d'hommes sur la planète, pourquoi tu vas aller chercher le plan, l'ex de ton ami? Après, même si elle me dit, ouais, meuf, franchement, je m'en fous, c'est comme tu veux, s'il te plaît, vas-y. Pour moi, c'est feu rouge. Parce que des fois, tu peux dire, non, t'inquiète et tout, mais au fond de toi, t'as quand même une rancune, tu vois. Et tu te dis, ah, si elle a été capable de coucher avec mon plan, elle, je la laisserai jamais avec mon mari dans la maison. Il y a d'autres personnes, il n'y a pas que lui. Mais maintenant, imagine qu'il n'y a pas d'autres personnes sur la Terre. Regarde, le mec, qui veut forcer. C'est poussé, non. Tout ce que j'ai à dire sur la drague, c'est faites pas les gros lourds et essayez que ce soit déjà le plus naturel possible. Les gars, abandonnez les vidéos YouTube du mec qui dit pour draguer une femme, il faut faire ceci, cela. Si vous faites ça, 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 c'est sûr que vous allez draguer une femme et que vous allez la voir. Abandonnez. Ouais. Chaque femme, elle est différente. Chaque femme a sa manière d'approche. C'est-à-dire que si tu vas chez une femme et que tu lui fais un compliment sur un petit détail, ça va matcher direct. Et une autre, si tu fais la même chose, un compliment sur un petit détail, elle va te voir en chelou, elle va dire mais t'es bizarre, comment ça c'est que t'as vu cette bague, genre. Si ça marche pas, commencez pas non plus avec les fameuses insultes. Là, vous dénigrez la femme en question alors qu'elle a rien fait. Faut pas essayer d'être drôle si tu n'es pas drôle. Faut juste être toi-même. Parce que quand tu joues un rôle, à un moment ou à un autre, on va voir ton vrai visage. Draguer, draguer, ok, d'accord, mais... Parfois, j'ai envie de dire, draguez bien ou draguez pas, en fait.